Denied. Bonjour, bonsoir toutes amies. TDN Haïti pour moi. Pas oublier, c'est famille TDN Haïti pour moi qui est ensemble avec nous. Nous déjà connaissons, nous déjà la gay avec élève 9e année, avec premier thème, qui c'est sociétés humaines, côté nous avons étudié avec eux la première guerre mondiale. Mais pour bien dire non, élève LS4, t'attends nous. Mais si nous t'attends nous, nous connaissons, c'est pas comme ça pour nous capables de faire bagarre. Il faut que nous capables abonner page là, aller sur YouTube pour nous faire tout commentaire pour nous voir qui sa famille TDN Haïti pour nous porter pour nous-mêmes. N'a pour une légère pause, n'a pas venu. NS4 nous rivé sous nous-mêmes qu'on y a. Et bien, thème que nous parlons de lui-même, c'est le gouvernement de Stenio Vincent. Le gouvernement de Stenio Vincent, c'est dernier président durant l'occupation américaine. Ça, nous tous connaissons. Nous songeons que, vers juillet 1915, nous prenons l'occupation américaine, les commencer dans l'année 1915. Et il était terminé en 1934. Américains ont fait 19 ans à diriger nous, passer dans la bêtise, pratiquer un système qui est le néocolonialisme en Haïti. Mais comme en 1930, il y a un président qui était le Eugène Roy, qui était président provisoire. D'après le drame de Machater sous gouvernement Louis Bonneau, si nous songeons que sous président américain Clark Hébert Ouvert, qui dévoyait la mission FOB en Haïti, avec Vinoué qui dégât, qui ça, il était capable de porter de plus pour lever l'occupation américaine. C'est ça qui fait que FOB débaille comme mission pour que il était capable de mettre un gouvernement provisoire qui était dirigé par Eugène Roy. Et c'est Eugène Roy, même ça, lui-même, qui va faire élection 18 novembre 1930, c'est le Sahara, Stenio Vincent pral rivé président pays d'Haïti. L'hiver, 1930 jusqu'à 1941. Mais, en nous baillant coup de biographie de Stenio Vincent. Qui était Stenio Vincent? Stenio Vincent, lui-même, né le 22 février 1875 à Port-au-Prince et l'était mouru le 3 septembre 1959. Il était en 1916 ministre de l'Intérieur et des Travaux Publics. En 1917, il devient sénateur. Et en 1917, après la dissolution du Sénat par les Américains, il passe à l'opposition et intègre l'Union Patriotique. Président Stenio Vincent, l'intérivé au pouvoir en 1930, peuple haïtien a gagné deux grandes revendications. La première revendication, c'est le retour du Parlement. Et deuxièmement, la désoccupation du pays par les Américains. Dans un premier temps, Stenio Vincent face à Clark Hébert Ouvert, sorti dans l'année 1930 à 1933, Américains ont commencé à remettre autorité haïtienne, quelques institutions. Et on commençait à remettre nous tout ça que nous avons besoin pour être capable de fonctionner. Mais là, Clark Hébert Ouvert est remplacé par Franklin Delano Roosevelt en 1933. Toujours même président noir, Stenio Vincent, il était rentré aux États-Unis, il a demandé président Franklin Delano Roosevelt pour lever l'occupation américaine. Et
président Franklin est arrivé en Haïti 7 juillet 1934 et plus tard, dans le mois d'août 1934, occupation américaine a été levée, mais technicien autorité. Après que Sténo Vincent te prend pouvoir en 1930, l'arrivée dans l'année 1935, tu as supposé gagner élection pour nommer l'autre président, eh bien, M. Pral fait une réforme constitutionnel et laisse à nous-mêmes qu'à parler de caractère dictatorial de Sténo Vincent. Après avoir brisé le Sénat, le président présenta à la Chambre des députés un projet de constitution. Celle-ci fut ratifiée le 2 juin 1935 parce que il était besoin de prendre un deuxième mandat. À travers cette nouvelle constitution, elle accorde au président le pouvoir de dissoudre le Parlement et de désigner les magistrats pour les communes. Elle accorde aussi au président le privilège de nommer 10 sénateurs parmi les 21 dont se compose le Sénat, plus fort encore, c'est au président que revient le droit de soumettre à la Chambre des députés une liste pour le choix des autres 11 sénateurs. Gouvernement Sténo Vincent, tu as commencé bien. Mais l'Elvin devenait dictateur, c'est à partir de la réforme constitutionnelle en 1935. Dans l'administration de Sténo Vincent, il y a un petit monde qui pourrait le composer dans l'examen officiel. Comment faire dim ou pour le composer dans examen officiel pour pas qu'à présenter le bilan de l'administration de Sténo Vincent. Nous avons un texte examen que vous avez là, vous avez plusieurs documents, document 1, document 2, document 3, vous avez même 6 documents, mais si vous avez un thème ou bien vous avez un examen côté que vous avez parlé de Sténo Vincent, vous avez toujours demandé à l'élève là pour le capable présenter le bilan de Sténo Vincent. Et je crois que c'est un cours qui est très important pour nous-mêmes et famille TDN Haïti pour moi. C'est grâce à nous-mêmes qu'a permettre élève NSK tout le monde qui veut net pour capable réconcilier non seulement avec histoire pour élève été vivant dans histoire. En nous l'administration de Sténo Vincent. Dans la question finance, Sténo Vincent prend une loi du 12 mai 1934. La Banque nationale de la République d'Haïti fut achetée au prix de 5 millions de gourdes à la Citibank. Il faut souligner que le pays n'a pas été totalement libéré financièrement. Il faut attendre l'arrivée d'estimé. Oui, faut que nous tente estimé. Pour quelle raison? C'est parce que dans l'année 1922, sous gouvernement Louis Bonneau, Haïti t'a fait un emprunt côté que nous t'a prêté environ 12 millions de dollars dans les États-Unis. Donc pour que nous t'es capable travail et permettre de gagner infrastructure dans le pays d'Haïti. Et c'est grâce à président Dumas estimé, l'on pourra monter dans l'année 1946, ça la révolution de 1946 là, qu'on est que en 1947, il pourra remettre les États-Unis rescope qui territoire, ça pourra le faire que technicien américain pourra quitter pays là. Mais comme nous pas dans Dumas estimé, moi était obligé faire tirer ça pour nous-mêmes parce que ça président Sténo Vincent fait dans question de finance, il voit nous directement à joindre Dumas estimé comme premier président noir après l'occupation américaine qui peut résoudre. Pas seulement dans la question finance, Sténo Vincent te travaille,
on ouais ça le fait dans question agriculture. Comme nous connaissons tout président dans le pays d'Haïti, agriculture là, il veut dire en pile barré pour nous-mêmes. Par un contrat du 25 février 1935, le gouvernement accorde à la compagnie américaine Standard Freight le privilège d'achat pour 20 ans toutes les figues bananes sur tout le territoire d'Haïti. Donc sur le plan agriculture, Vincent a voulu de rénover l'agriculture en Haïti. C'est de permettre aux paysans de rester dans le pays, de ne pas pratiquer surtout la migration internationale. Donc ça t'a bon pour Haïti. Malheureusement, comme nous connaissons, avec gens que pays a taillé, surtout nous te prend occupation américaine de 1915 à 1934, pendant que Seigneur Vincent te travaille pour la désoccupation du pays, mais te gagne un pile paysan tout qui te quitté Haïti, qui pat ouais le bonnet l'occupation américaine, ça te dans résistance avec Charles Maïpigal qui te baptisé tête comme caco, mais tout te gagne quelques nao qui te rité à travailler la terre. Donc sur le plan agriculture, Seigneur Vincent te homme qui te tracé dans question agriculture en Haïti. Pas seulement dans finance, dans agriculture. Faut élever à maîtriser travaux publics. Par un contrat du 6 juillet 1938, le gouvernement conclut avec la compagnie américaine pour la construction des routes, des travaux de drainage et d'irrigation. Tout ça te permet que l'infrastructure te commence à aller vers l'avant en Haïti, surtout après le départ des Américains. C'est le verset à tout le travail dans la question éducation. Le quartier insalubre de la Saline fut transformé en une belle cité. Le président fit appel aux frères salésiens pour s'occuper de l'éducation de cette zone. Le président te comprend, il y a une zone qui reculait tant que la Saline. Jean qui a parlé de la Saline mal, lui aussi le prend père salésien, yo, vient mettre en l'école là. La permettre moun ki nan zon nan fait ti commerce pour que gen ti moyen capable rentrer nan zon nan. C'est ça qui fait que yon nan acte déposé au niveau de l'éducation, c'est que li te permettre la Saline, père salésien yo te vin aider tout jeune qui te vle nan pays d'Haïti aller vers l'avant nan question l'école yo. Nan question diplomatie, le 9 mai 1936, le président dominicain Leonidas Trujillo et le président haïtien ont signé un accord côté que ont dit pour conflit qui gagne entre deux pays ça capable suspendre. Malheureusement, brusquement l'année suivante en 1937, son date pour tout le monde pas jamais oublié, 1937, il relève sa fête dominicaine. Dans fête dominicaine non, côté que Dominicains ont été assassinés environ 15 à 30 000 Haïtiens entre frontières qui séparaient Haïti et la République dominicaine. Et ça a été fait, moun mal en pile Haïtien t'a dit, qui réaction Seigneur Vincent t'a supposé faire pour le bail dominicain en réplique. Comme nous connaissons, ça a été passé en pile Haïtien t'a mouru. Avec communauté internationale,